Ouais, voilà. Hein, c'est-à-dire où tu laisserais les gens juger. Sans un juge. Oui, tribunaux les vrais. Ben, à mon avis, c'est le mec qui s'en prendrait plein la gueule. Ouais, sûr. Après, pareil, si c'était devant les tribunaux, c'est lui qui s'en prend plein la gueule. Ah, mais c'est sûr. Hein, parce que, par exemple, si tu prends un mec et que tu le pends à un arbre, et que, oui, vous savez, hein, comme, oui, non, parce qu'il y a eu une époque où il y avait des gens, ils se faisaient justice. Ah, bah, si. Après, on a instauré, si vous voulez, oui, le juge, les avocats, ouais. Mais à une ancienne époque, c'était pas ça. Les gens, ils se... Ah, ben, si. Hein. Et que, bon, donc, t'attaches un mec à un platane ou je sais pas quoi, et tu le mets à l'envers, tu vas voir si, par exemple, il avoue pas toutes les gonzesses, une ou plusieurs, qui sait, oui. Hein? Bon, après, si on est sur, par exemple, avocat, avocat, je te garantis, bah, de toute façon, hein, qui cherche, trouve. Hein. D'accord? Donc, voilà. Et que tout est à charge du mec. Et non de la nénette. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est vraiment des mecs qui, peu importe les âges, vas-y, qu'ils aiment bien faire la fête. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était plus emmerdant parce qu'il y a eu le Covid. Putain, sa mère. Ils ont dû être dégoûtés, certains mecs. Hein. Bref, mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est ces mecs qui courent après des jupons, en fait. Voilà, des jupons. Et bah, ils perdent des années, et toi tu es là, et toi tu es là, et tu es toujours là, tu vois, à attendre ce genre de con de mec, peu importe les âges, tu vois. Ils savent, hein, mais si, ils savent que vous les aimez, ils savent que vous les attendez, mais non, non, toi c'est toujours le dernier train d'avance, d'après, mais vous êtes toujours là, et puis vous oubliez pas, mais pas au stade de ce que vous voulez, ok? Voilà, donc ils ont des sex friends, des nanas, et les potes, et les machines, tu vois. Vas-y, et puis, ben, les années passent, et puis tu es seul. Parce qu'il faut avouer hein, que quand ils rentrent chez eux, en plus, il y a énormément d'hommes qui, pour beaucoup, ils aiment pas trop faire rentrer les nanettes chez eux. Pas trop. Après, il y en a, mais il y en a beaucoup que non. D'accord? Donc là... Ben, il y en a, ils ont perdu énormément de mois et d'années à courir après des culs. Et toi, t'es toujours là. Voilà, t'es toujours là. On te largue pas vraiment, mais rien d'évolutif. Vous vivez pas ensemble. Bon. Et puis, il arrive des grosses tuiles.